Bonjour à toutes, bienvenue sur Saint-Leu TV. Eh bien, aujourd'hui dans notre émission, je me présente à vous un curry queue de bœuf. Au niveau du queue de bœuf, on m'a pris une bonne queue de bœuf, en fait, hein, qui est coupée en morceaux. Moi, on a pris 3 oignons émincés, avec 3 tomates aussi, coupées en petits dés. M'a mettre dedans de l'ail, de sel, poivre, un petit coup de girofle, et du gingembre bien écrasé. Et on va mettre aussi en fait un peu de safran comme d'habitude, hein, enfin du curcuma, et on mettra dans notre curry un cube de bœuf, hein, que je laisse à tremper un petit peu dans l'eau pour la ramollir. Voilà, donc pour commencer on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile dans notre marmite. On va chauffer un peu l'huile. Voilà, étant donné que l'huile, la marmite, elle est bien chaude déjà, en fait, hein, je l'ai chauffé un petit peu. Donc au niveau de l'huile, je pense que ça va aller. On va pas trop attendre. Et on va pouvoir mettre notre bœuf dans notre marmite. On fait attention bien sûr parce que ça va sauter un petit peu partout. Voilà. On va faire revenir donc notre queue de bœuf. On va le laisser dorer avant de pouvoir ajouter les autres ingrédients. Alors la queue de bœuf commence à être dorée. Je vais rajouter du thym. Voilà, je vais rajouter un peu de thym. Sans y mettre les branches, on va les effeuiller un peu. Voilà. Et on va continuer à tourner. Voilà, donc on va attendre que le bœuf soit bien bien doré. Et là, à mon sens, il est bien doré. Bon, un petit peu quand même. Voilà. Donc, on va pouvoir ajouter les oignons émincés. Bien mélanger. On va attendre que ça prenne la couleur. Donc les oignons ont pris la couleur. On va pouvoir rajouter les épices qui ont été écrasées. Bien sûr, on va bien mélanger tout ça. On va laisser prendre un peu. Voilà, bien mélanger. On va pouvoir mettre notre curcuma. Petite cuillère. Avec une demi-cuillère. Curcuma. On va mélanger tout ça avant de pouvoir ajouter les tomates. Déjà ça commence bien à prendre la couleur du curcuma. Et ça le parfume en même temps.
voilà. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos tomates qui ont été émincées. Voilà, on va bien tourner tout ça et on va pouvoir laisser cuire pendant quelques minutes. Voilà, donc les tomates ont bien réduit. On va ajouter, on avait à peu près 2 kg de ketchup, donc on va rajouter à peu près 2 ml de rouge, 2 ml de vin rouge. Et on va laisser macérer notre cuisson dans ce bouillon. On va tourner un peu. Voilà, donc on va laisser réduire un peu et on reviendra tout à l'heure. Voilà, donc notre la queue de bœuf commence à bien réduire. Le bouillon commence à bien réduire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le cube de bœuf qu'on a mis avec un peu d'eau pour le ramollir. Et on va laisser, bien sûr, on va tourner un peu et on va le laisser fondre dans la sauce. Voilà. Et on va pouvoir ajouter un brodo. On va mettre l'eau à peu près à hauteur, hein, sans trop couvrir. Il y en a suffisamment parce que la cuisson va durer 1h30 à 2h. Donc on regardera bien sûr la cuisson de temps en temps. Voilà, maintenant on va laisser mijoter tout ça. Oh bah écoutez, ça a l'air d'être bien tout ça, hein. Donc la sauce a très bien réduit. Et bien notre curry est prêt à être dégusté. Hein. On va passer à table maintenant. À bientôt, merci.